Le gâteau est servi, les enfants, à table! Dépêchez-vous! Là. Assieds-toi. Et maintenant, tu prends bien ta respiration. D'accord. Encore une. Oui! Alors, elle te plaît, cette fête? Ah oui. Tu sais, on te réserve encore une belle surprise pour tes 8 ans. Encore une autre? Eh oui! Waouh, c'est génial! C'est si gentil de nous rendre ce service, Ray. Spencer a toujours adoré les avions. Ah, ça me fait plaisir. Voilà notre taxi. Bon, qui veut monter à l'avant? Moi! Ah, d'accord. Alors, on va installer papa et maman à l'arrière. Attention à la tête. Allez-y. Et toi, mon grand, tu vas être mon copilote. Je te laisse les commandes, Spencer. Paré pour virer sur l'aile gauche. Et vas-y. Incline bien le manche, en douceur. Bravo! Excellent travail. Tu as l'air très doué. Je vais devenir pilote, moi aussi, bientôt. Il suffit d'avoir la licence, c'est mon père qui me l'a dit. Je sais pas. Oh, Seigneur. Tour de contrôle, vous m'entendez? Ici Novembre, 1-6 Golf, bravo. Appel d'urgence, répondez. Tour de contrôle, est-ce que vous m'entendez? De la direction des maisons de retraite Âge d'Or ont été mises en examen par le bureau du procureur et le FBI se prépare à élargir son champ d'investigation en concentrant ses efforts sur les établissements récemment ouverts de Détroit, Atlanta et San Francisco. C'était Diane Colfi qui vous présentait American Report. Todd, on va raccourcir le plan où il rejette les accusations. Je veux qu'on fasse 5 secondes sur la femme qu'on voit en fauteuil roulant et qu'ensuite on passe directement au panneau sur les immondices qui jonchent la cuisine. Alors, tu me débloques une heure au studio A, je veux refaire la conclusion. Ça marche. Sors-moi les rushs sur les maisons de retraite, il y a des retouches à faire. Oui, Kim, je veux les numéros des infirmières du service de radiologie qu'ils dirigent. Je vais les interviewer la semaine prochaine. Vous commencerez par les temps partiels et vous ferez la liste des assistants, des internes, tous ceux qui ont travaillé avec lui. On va les clouer au pilori. Je te fais confiance. Et vous me trouverez un vol pour le Montana dimanche soir. Et vous me donnerez le fruit de vos recherches avant mon départ. Oui, Kim, avant. Oui, je sais que c'est beaucoup de travail pour une débutante, mais il faut vous mettre dans l'ambiance. Je suis sûre que vous avez entendu les bruits qui courent sur mon compte, mais rassurez-vous, je ne mords plus mes assistantes depuis longtemps. C'est vrai? Et si vous avez des doutes, posez des questions, et si vous ne dites rien, je partirai du principe qu'on s'est comprise, d'accord? J'ai un fax d'un correspondant. Un petit avion de tourisme s'est écrasé, tout le monde à bord a été tué, sauf un enfant de 8 ans. Oh la vache. Oui, il a réussi à lancer un SOS, un avion de l'armée a fini par capter la transmission. Mais on ignore où peut se trouver le gamin. Et ce n'est pas tout, aujourd'hui c'est son anniversaire, et c'est un enfant adopté. Adopté? Ouais, tu parles d'un anniversaire. Où tu dis que ça s'est passé? Près du lac Tanner, dans le Nord. Tu es mal réveillé, toi, on dirait. On va voir les autres dehors, hein? Ouais!
Regardez qui est là. Oh, maman est là, chérie. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, Gareth, j'ai l'impression que Kelly voudrait bien être maman, elle aussi. Jimmy. On va voir si tu peux assurer. Attention, c'est au coq de la basse-cour que tu t'adresses. Il se trouve qu'on a autre chose en tête pour l'instant. On compte passer les quelques années qui viennent à voyager, n'est-ce pas, ma chérie? Voyager? Où est-ce que vous irez? Oh, les Volailles Régales ont associé Gareth à leur projet d'ouverture de succursale en Europe. Garde ta poule aux œufs d'or et laisse-nous notre Kelly. Oh, on ne sera parti que 3 ou 4 ans et vous pourrez venir pendant les vacances. Avant que je ne commence à travailler, on va faire une petite visite gastronomique de la France. Oui, on part avec une tente et un sac à dos. On improvisera sur place pour le reste. L'aventure, quoi. Vous partez dans combien de temps? Dans un mois ou quelque chose comme ça. On est le combien? Le 23? Kelly, quel jour on est? Le 23. Oui, le 23 avril. Le pays tout entier va avoir les yeux rivés sur cette histoire. Mais ce n'est qu'une banale affaire de sauvetage, rien à voir avec ton style. Aucune femme ne peut rester insensible à ce qui arrive à cet enfant. Non, et c'est ça le problème, c'est du voyeurisme. Tous les fouinards de la presse à scandale vont sortir de leur égout pour couvrir cette histoire, c'est évident. Je toucherai pas à ça à ta place. On se rend sur les lieux dans une heure. Je t'en prie, Diane. Edith te suivra pas sur ce coup-là. Il dit que je suis nulle en mélodrame. Eh bien, je vais lui montrer ce que je sais faire. Oh. Spécialité de la maison, les filles. Ah, merci. Gareth, tu as vu ce que ta tante nous envoie? Encore un grille-pain, génial. On le mettra dans la salle de bain. Ça en fait combien jusqu'ici? 3? Non, 4. Hé, Gareth, t'es prêt? Nous, on attend que toi. Avec votre permission, Kyle et moi allons emmener Jimmy à son premier match de hockey. Ouais, bah, vrai, Jimmy. Allez, à plus tard, chérie. Amusez-vous bien, tous les trois. Compte sur nous. À plus tard. Celui-là, c'est le bon. Oui, je crois. Alors, à l'Europe, au lendemain qui chante. Voilà, qu'est-ce que tu en dis? Oh, elle est splendide. Oui. Oh, Kelly, regarde cette dentelle. Écoute, Jimmy, j'ai une question à te poser. Si les menus sont écrus alors que ma robe est blanche, ça va choquer. Arrête, j'ai vu des chemises à pois avec des pantalons à carreaux. Le monde est devenu complètement marteau. Eh bien, justement, autant s'en évader un peu. Une situation déjà tragique. C'est en effet sous un ciel de plus en plus menaçant que les équipes de secours d'ores et déjà sur place commencent à organiser le sauvetage de l'enfant supposé être l'unique survivant de ce dramatique accident survenu vers 17h aujourd'hui. Il y a tout lieu de penser que les parents du garçon se trouvaient dans l'avion et qu'ils ont péri dans l'accident. Selon les renseignements que nous tenons de différents proches et amis de la famille, le jeune Spencer est un enfant adopté. Il fêtait aujourd'hui son 8e anniversaire. Quoi ? C'est un avion cargo de l'armée de l'air qui, alors qu'il survolait les montagnes à destination de la base de Travis, a par hasard intercepté l'appel de détresse lancé par l'enfant. Nous avons pu en obtenir l'enregistrement. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Allô? Ici Roméo 08. Veuillez vous identifier. Au secours, venez m'aider. Ma mère, j'arrive pas à la réveiller. Et mon père, il est blessé à la tête. Il bouge plus. Qui êtes-vous? Et d'où appelez-vous? Je m'appelle Spencer. Ah, ma jambe, j'ai mal à la jambe. Venez me chercher, venez me chercher. C'est pour l'instant le seul message que l'enfant ait envoyé. On ignore tout de la nature exacte de ses blessures et par conséquent de ses chances de survie. Nous vous tiendrons bien sûr informés du développement de ce drame. C'était Christine Schofield qui vous parlait en direct du refuge d'Echo Summit Lodge. Oh mon Dieu. C'est son anniversaire. Kelly, arrête, voyons, tu te fais du mal. Le 23 avril, c'est l'anniversaire de mon fils. Tu crois que... Écoute. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Mais si c'était lui? Oh. Tu essaieras de trouver le nom de l'avocat qui a été chargé d'adoption. Ce sera notre accroche. Comment s'appelle le petit? Garrison, Spencer Garrison. J'ai oublié de te dire, Eddie a pété un fusible. Ah. Ses parents se comportaient bien avec lui? Il était heureux en famille? Qu'est-ce que j'en sais, moi? À l'aéroport, s'il vous plaît. Shelley Hilton, avocate à San Marino et spécialiste des adoptions, a été identifiée comme étant la conseillère légale qui a supervisé le dossier Spencer Garrison.
Maître Hilton s'est refusé à tout commentaire concernant les... Jimmy, je reconnais cette femme. C'est elle qui s'est occupée de moi. De la mère biologique. Mais de tu ne sais même pas où le petit est né. Il y a des dizaines de cas semblables si chaque année. Reconnais que la coïncidence est troublante. Pourquoi faut-il que ça arrive maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à Garrett? Kelly, une seconde, tu veux? Tu attends environ 200 personnes pour ton mariage qui est prévu pour vendredi en 8. Tu sais où tu mets les pieds? Écoute, fais ce que ton cœur te dicte. Mais si tu décides de ressusciter tes vieux démons, n'oublie pas que ça aura des conséquences sur ta vie entière. D'accord? Ne rien faire serait pire. Kelly! Kelly! Il faut absolument le retrouver avant que cet orage n'éclate. Sheriff Porter, Todd Clark d'American Report. Ken Caulfield voudrait vous interviewer. D'accord, je l'attends. Merci beaucoup. Bon, le petit a réussi à lancer un message. Il est fort possible qu'il puisse en lancer un autre. L'armée de l'air a accepté de collaborer avec nous. Ian, le sheriff Porter veut bien t'accorder un moment. Il coordonne les différentes équipes de secours depuis ici. Il est là-bas, devant le refuge. Dépêche-toi, Frank. Pardon, le voilà. Sheriff Porter, Ian Caulfield. Ravi de vous rencontrer, sheriff. Entrez. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant? Non, toujours rien. L'armée de l'air doit nous aider à le localiser et une équipe de secours héliportée ira le récupérer dès que ce sera possible. Bon, vous m'excuserez, mais... Je vous en prie. Ian, par ici. Oh. Ian Caulfield. Oh, Loldris. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous ne quittiez plus les plateaux de télévision. Non, détrompez-vous. Moi aussi, je vais à la chasse au reportage sur le terrain de temps en temps. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne savais pas qu'on avait signalé des soucoupes volantes dans la région. Tiens-le-moi à l'œil, celui-là. Je ne veux pas le voir saccager nos plates-bandes. D'accord. Pendant que j'y pense, j'ai les renseignements que tu voulais sur l'adoption. Une avocate de San Marino, Maître Shelley Hilton. Tu connais? Oui. Essaie de me trouver son numéro. Ouais. Rancho 895, ici Air Force Rescue 29. Nous sommes à 18 km d'Echo Summit. Arrivez sur les lieux estimés à 2008. À vous. Bienvenue à bord, Rescue 29. Nous avons un orage en approche, il ne devrait pas durer longtemps. Tout sera relativement calme jusqu'à 3000 mètres d'altitude environ, à vous. Bien reçu, Rescue 29, terminé. Dites-leur d'envoyer un fax. Ah, c'est ça. Dites-leur que c'est urgent. Allô, ouais. Ah, elle est bien là, je vous la passe. Vous pouvez rappeler? Attendez. Non, pas avant 20h. Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous avez des nouvelles de ce petit garçon? Non, rien de neuf. Je suis désolé. Nous faisons tout le nécessaire. Oh, je voudrais vous aider. Je peux faire quelque chose? Non, rien pour l'instant, mademoiselle. Merci quand même. Ce soir, tandis que le destin du petit Spencer Garrison se joue encore dans l'obscurité, Info 10 vient d'apprendre que les équipes de secours se livrent à une véritable course contre la montre avec un front orageux d'une grande virulence qui est actuellement en approche. Mais en dépit de cette situation tragique, c'est l'espoir qui se lit dans le regard des sauveteurs. Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons une interview de Rose Wilton, la responsable du refuge, qui a eu la gentillesse de laisser ses cuisines ouvertes aux secouristes présents. Nous vous tiendrons naturellement informés des éventuels progrès de cette tentative de sauvetage, ici à Echo Summit. Paul Aldriss pour Info 10. On n'est plus à l'antenne. Oh, au nom du ciel, Alex, on est en train de faire de la soupe. Quoi? Une interview de la responsable du refuge. Mais on a l'air de quoi? Tu as vu l'équipe concurrente? Eh oui. Viens t'asseoir. Il faudrait miser sur l'adoption. Là, on aurait un sujet. Il faut qu'on sache qui est la mère biologique de cet enfant. Facile à dire. Seulement, l'avocate Shelley, je ne sais pas quoi, ne veut rien révéler. Et alors? Demande à n'importe qui ici. D'accord, pas la peine d'insister. Il faut trouver quelqu'un qui ait accès aux archives. On se plante, sinon. On est en guerre, Alex.
Je vais voir. Todd, essaie de savoir qui aura la garde de l'enfant quand il aura été retrouvé. J'ai demandé à la chaîne d'enquêter. Si on arrive à trouver un membre de sa famille, je voudrais qu'on le fasse venir ici aussitôt que possible. Une réunion de famille devant les caméras, ça c'est du spectacle. Excusez-moi, c'est lui? Je voudrais le voir. Vous le connaissez? Non, j'ai... Je suis juste venue pour regarder. Je vois. Vous ne savez pas s'il va bien? Je n'ai rien pu apprendre jusqu'à maintenant. On est sans nouvelles depuis cet après-midi. Désolée, mais je ne peux rien vous dire. J'attends comme tout le monde. Vous êtes Diane Caulfield de la télé? Oui. Je vous regarde souvent. Merci. C'est ce front orageux qui m'inquiète le plus. Je n'ai pas retenu votre nom. Kelly. Kelly Thomas. Oui, merci. J'ai le rapport sur les parents du petit. La chaîne vient d'appeler. Tu es sûre que... Oh, oui. Bon. Voilà, le père du petit, Martin. Ses parents sont décédés il y a longtemps. Quant à leur mère, Hélène, elle a encore sa propre mère, mais elle est impotente. Martin et Hélène sont tous les deux des enfants uniques. Donc, ni tante ni oncle, ils n'ont pas de cousin, non. Ou quelqu'un qui puisse prendre Spencer. D'après ce que j'ai pu apprendre, les Garrison venaient juste de rentrer d'Argentine. Hélène y travaillait comme secrétaire d'ambassade. Alors, Spencer va devoir être confié à l'assistance. Oui, malheureusement. Ça ne fait aucun doute. Qui c'est? Diane? Je ne sais pas. On n'y voit rien avec ce temps. Il faudrait descendre un peu. Non, on est déjà trop près des arbres. Et avec le radar, vous ne voyez rien non plus? Non, pas d'arbre cassé, aucun débris, rien. Non, il doit être plus bas sur la montagne. Si l'avion est tombé dans une crevasse, le radar ne pourra peut-être pas le voir. D'accord, faites demi-tour. Il y a une crête plus bas, survolez-la. Si l'appareil a glissé sur la pente, il a pu s'arrêter là. Presque nul. Une vraie purée de poids. Le vent souffle en rafale. J'ai beaucoup de mal à garder le contrôle. On ne peut pas continuer comme ça. Le mieux serait qu'on descende. On continue à pied et vous nous dirigez depuis le camp de base. Négatif, il faut localiser l'enfant avant que vous ne descendiez. Oui, mais avec cette tempête qui menace, il passera peut-être pas la nuit. On risque de s'écraser, il faut se tirer d'ici. S'améliore.
Bien reçu. Rescue 2-9. Autorisation d'atterrir sur le parking au sud. Ce gosse n'en verra plus le soleil. La chaîne veut un direct. On y va? Une minute. Non, tout de suite. Aide-moi, prends ça. Tiens. C'est bon. 5, 4, 3, 2. Diane Caulfield, bonsoir à tous. On ne peut guère qu'imaginer les pensées qui traversent en ce moment l'esprit du jeune Spencer Garrison, tandis qu'il s'accroche désespérément à la vie sur le flanc de cette montagne, abandonné aujourd'hui pour la seconde fois de son existence. Adopté alors qu'il n'était qu'un nourrisson, Spencer a vécu en Argentine, où sa mère adoptive, Madame Hélène Garrison, assurait le secrétariat du consul général au sein de notre ambassade dans ce pays. Et ce n'est que l'année dernière que Spencer et ses parents sont rentrés aux États-Unis. Ce qui fait que s'il survit, personne ne sait encore à qui il sera confié. Mais une chose est sûre, désormais la vie de Spencer ne dépend que de la diligence des sauveteurs. Pour American Report, c'était Diane Caulfield. Et on rend l'antenne. Excellent. J'ai les états de service de l'équipe de secours. Oui. Attends-moi une minute. Kelly, ça va aller? Y a un problème? Non. Vous connaissez Spencer Garrison, avouez-le. Vous pensez que c'est votre fils. Il n'a jamais quitté votre cœur depuis le début et quand vous avez vu ce reportage, vous avez décidé de venir jusqu'ici. Vous disiez abandonné. C'est faux, ce n'était pas un abandon. Je suis désolée. Je n'avais que 19 ans. J'étais terrorisée. Oui, j'imagine bien que ça a dû être difficile pour vous. Son père, qui était-il? Il était encore étudiant. Quant à moi, j'étais en terminale au lycée. On avait décidé de partir camper ensemble au printemps. Je l'aurais suivi au bout du monde. Il suffisait qu'il me sourie. Il avait tellement de douceur dans les yeux. Tellement d'amour. J'étais complètement folle de lui. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me traitait comme une femme et pas comme une enfant. On s'est vus pendant quelques mois et puis je me suis rendu compte que mon corps changeait. L'infirmière du campus m'a dit que ce n'était pas de l'angoisse. J'ai su alors qu'il n'était pas celui que je croyais. Il a immédiatement rompu quand je lui ai parlé du bébé. Il n'était pas prêt, disait-il. Jamais je n'aurais cru qu'on pouvait être aussi seul. J'ai essayé de cacher ma grossesse pendant 6 mois. J'avais trop honte pour en parler à qui que ce soit. Même à ma mère. J'étais tellement désespérée que j'ai failli perdre mon bébé. Mon existence semblait se résumer à ce choix, à ce dilemme déchirant. J'avais fait tous les sacrifices pour continuer mes études. Je voulais enseigner, mais si je gardais mon bébé,
J'aurais dû tout abandonner. Et bien sûr, il n'était plus question d'avortement. La seule solution pour moi était de faire comme s'il ne s'était rien passé. Suspendre mes études et faire adopter l'enfant. Alors ma mère m'a parlé de Shelley Hilton. Elle avait vu son nom dans un magazine féminin. J'ai un jeune couple de Santa Barbara qui est très intéressé. Ils ont déjà deux enfants adorables. Et ils souhaiteraient en adopter un autre. Alors, Kelly, qu'est-ce que tu en dis? Kelly? Il y avait une chose dont j'étais sûre. J'ai d'autres candidats à te proposer. Quitte à ne pas élever mon enfant. Kelly? Je ne voulais pas savoir qui s'occuperait de lui. Je ne voulais rien savoir du tout. Pas laisser le tenir. Je crois qu'il savait que je ne l'aurais pas lâché. Je suis sûre que vous avez fait ce que vous pensiez être le bon choix. Venez, on va aller boire un café. Paul, oui? Viens voir. J'ai trouvé ce que tu cherchais. Quoi? Les archives indiquent que Shelley Hilton a arrangé les adoptions de 4 enfants à cette date il y a 8 ans. 3 de ses enfants étaient des garçons. Donc 3 femmes peuvent prétendre être la mère de Spencer? Oui, tout juste. Il faut les trouver, vite. Attention, c'est chaud. Merci, Diane. Diane, Eddie au téléphone. Il dit que c'est urgent. Eddie? Aujourd'hui? Je ne savais pas, non? Qui est l'ONU? Très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu te souviens de cette affaire de contrebande d'armes en Afrique du Nord? Mm-hmm. L'ONU a confirmé qu'il y a bien eu corruption. Des têtes de secrétaires d'État vont tomber. C'est génial. Ça veut dire qu'on va rentrer et faire le suivi? Non, on reste ici. Quoi? On reste? Oui. Tu devais me trouver le numéro de Shelley Hilton. J'ai des questions à lui poser. Oui. Son cabinet est fermé et son numéro personnel est sur liste rouge. D'accord. Suis-moi. Shérif, vous pouvez nous dire ce que vous allez faire à partir de là? Je ne suis encore sûr de rien. Les conditions météo sont tellement mauvaises sur le versant S que pour approcher le site, nous devons poser l'hélico sur l'autre versant et faire le chemin à pied. C'est ce que vous allez demander à l'équipe de secours? Non, non, il lui faudrait plus de 8 heures pour atteindre la passe. Par conséquent, nous allons tout arrêter pour ce soir et reprendre demain. Vous croyez qu'il survivra jusque-là? Je crois qu'il a une chance s'il n'est pas trop gravement blessé. Pour l'instant, nous ne pouvons que prier pour qu'il trouve un abri cette nuit. Quelque part. Oh mon Dieu. Gilles? Gilles? Quoi? Le dîner est prêt. Écoute, Cassie, laisse-moi une minute, je veux finir ça ce soir, d'accord? D'accord. Tout à
commencé aujourd'hui lorsque Spencer et ses parents sont arrivés à l'aérodrome de Murrieta, où les attendait leur ami pilote Ray Walker, qui devait offrir à Spencer une promenade en avion pour son anniversaire. T'as fait quoi ? Après leur départ, la une tour pizza. De contrôle de l'aérodrome a reçu un appel sur la fréquence d'urgence, donnant à penser que l'appareil de Ray Walker était en difficulté. La mauvaise liaison comme radio n'a malheureusement pas permis au personnel de l'aérodrome de communiquer avec le pilote et on ne sait toujours rien de la nature exacte du problème. Les témoignages de personnes connaissant pourquoi t'en as pas commandé une ? Parce que je voulais te faire une surprise. Si ça s'accorde à dire que Ray Walker était un pilote chevronné, tu parles que je suis content. D'une compétence et d'un sang-froid sans égal. Quoi qu'il en soit, la croûte est brûlée. C'est une heure après cet appel d'urgence qu'un avion cargo ça fait rien, je la mangerai. Intercepté un message lancé par le petit non, Spencer, tu vas pas manger un truc pareil, c'est hors de question. Écrasé, et ce soir, je t'invite chez Antonio. Depuis lors, les secours s'organisent, mais les tentatives de allez, prépare-toi, j'ai presque fini. Se sont heurtées au mauvais temps qui sévit dans ces montagnes, rendant la visibilité pratiquement nulle. La situation est encore compliquée par le fait que l'enfant a été adopté et qu'il semble avoir perdu toute la famille qui lui restait dans cet accident. Ce drame est d'autant plus tragique que le petit Spencer Garrison fêtait aujourd'hui, le 23 avril, son 8e anniversaire. D'autres détails vous seront présentés à 23h, Deco Summit Lodge, tout près du lac Tanner. C'était Diane Caulfield. Mais qu'est-ce que tu fais ? On devait aller manger une pizza, t'as oublié ? Non, j'avais juste envie de rester ici avec toi. On pourrait se faire un petit dîner en amour. Bon, écoute, je t'en prie, ne me mets pas en colère pour cette histoire. Hein ? Allez, viens, on va sortir tous les deux, ça nous changera les idées. Une petite bière, une pizza. Après, on rentre, on allume la télé. Hop ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Hein ? Allez, va t'habiller, je vais prendre une douche. Tenez, Kelly, vous allez en avoir besoin. Oh, merci. Pardon de vous avoir infligé mes états d'âme. Ce n'est rien, je comprends. Vous n'allez pas raconter ça devant les caméras, j'espère. Parce que mon fiancé, il y a des choses qu'il ne sait pas encore sur sa future femme. Vous ne lui avez rien dit au sujet de cet enfant ? Kelly, comment savez-vous que Spencer est votre fils ? Quelles preuves avez-vous ? Eh bien, l'anniversaire correspond et l'avocate que j'ai vue aussi. Sheila Hilton a traité des centaines de dossiers d'adoption. Enfin, qu'est-ce qui vous a... Attendez, je ne veux pas que vous fassiez un reportage sur moi. Je n'en ferai pas, je vous le promets. Je voudrais juste savoir une chose. Est-ce qu'une seule de vos journées passe sans que vous remettiez votre choix en question. Je veux dire, vous n'avez pas la sensation que c'est à vous-même que vous avez renoncé. Pour vous, j'aurais tort, quoi que je dise. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vraiment l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Je suis désolée. Kelly, attendez! Je sais ce que vous ressentez. J'ai fait adopter un enfant, tout comme vous. Et il est lui aussi né le même jour,
Et dans mon cas aussi, c'est Maître Shelley Hilton qui a traité le dossier. C'est ce qui motive ma présence ici. Et vous voulez le reprendre vous aussi? C'est ça? Allô? S'il vous plaît, répondez! Vous m'entendez? Aidez-moi! Oui, un vrai drame. Non, je venais juste te donner un coup de main, moi. Salut, Ronnie. Ouais, je travaille ici, enfin. D'habitude, j'ai fini à cette heure-ci, mais ils avaient besoin de moi. Je vais rentrer à la maison maintenant. Je peux vous déposer? Je sais où c'est. Excusez-moi, qui dirige les recherches? Moi, je peux vous aider? Le petit Spencer. Je crois que je suis sa mère. Ah. Oui, J'ai dû faire adopter un enfant il y a tout juste 8 ans. Écoutez, je pense que c'est lui. Je ne peux pas m'occuper de ça pour l'instant. Je vous conseille de faire voir ce document aux services sociaux quand on aura ramené le garçon. D'accord? Il faut que je vous laisse. Excusez-moi. Je ne voudrais pas être indiscret, mais je suis Alex Pillman et il se pourrait que je puisse vous aider. Ça vous gênerait qu'on vous pose quelques questions? Non. Bon, suivez-moi. Venez. Oui, j'y ai souvent pensé. Tous les jours. Je croyais vraiment ne jamais le revoir. Et là, boum, je vois un truc sur lui à la télé. C'est le destin, quoi. C'est drôle. Mm-hmm. J'ai passé tant d'années à me demander ce qu'il devenait, et il ressurgit. Ok, coupé. C'est bon, Alex? On va faire un pré-montage et le commentaire dans le camion. Merci beaucoup. Dites, vous ne savez pas quand ça va passer? C'est réparé? Ouais, il n'y en a plus pour longtemps. De l'eau gazeuse, s'il vous plaît. Non, attendez, je vais prendre un bourbon avec de l'eau. Mettez une double dose. Si quelqu'un a besoin de boire un verre, c'est moi. C'est mon fils, le petit, qui est perdu dans la montagne. Qu'est-ce que vous avez? Vous dites être la mère de Spencer? Oui, enfin, sa vraie mère. Sa mère naturelle. Vous en êtes sûre? C'est écrit là, noir sur blanc. J'ai dû le faire adopter il y a 8 ans. Vous voyez, on fait pas toujours ce qu'on veut, pas vrai? Et vous avez fait appel à une avocate du nom de Shelley Hilton pour régler les formalités? Oui. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Quand j'ai entendu dire que mon fils avait un problème, j'ai pris la voiture et je suis vite montée jusqu'ici. Remarquez, ce serait pas un réflexe pour tout le monde. Il y en a qui s'en ficheraient complètement. Et on s'étonne après qu'il y ait autant de délinquants. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle est la mère de Spencer. Quoi? Oui.
On est trois. J'ai réussi à me faire prêter ce chalet. Il est inoccupé. On sera mieux pour bavarder. Alors comme ça, on est trois à croire que c'est notre fils. Drôle de réunion. C'est idiot, non? Se ruer ici comme si on avait notre mot à dire sur son avenir. On a notre mot à dire. Nous avons renoncé à nos droits sur lui quand nous avons signé au bas du formulaire. Ça fait partie du contrat. Les choses ont changé depuis le temps. Dans le cas où aucun parent ne se ferait connaître, les membres de la commission d'adoption lui trouveront une autre famille. La première de leur liste. Si c'est mon fils, croyez-moi, il n'y aura pas de liste. Attendez, qu'est-ce que c'est? Je peux voir ça? Oh! J'ai été obligée de me séparer de lui à sa naissance. Ça alors, déjà? Je peux vous dire que ça n'a pas été de gaieté de cœur. Je suis sa mère, après tout, et j'aimerais bien qu'on me le rende. Comment pouvez-vous dire ça? Rien ne prouve que c'est votre enfant. Tous les jours. Une jeune femme sympathique, vous le voyez, à qui nous aimerions tous que Spencer soit rendu. S'il n'y avait la face cachée de Casey Hopper, des secrets qu'elle ne tient pas à avoir divulgués. Info 10 a découvert des informations exclusives sur celle qui peut être la mère biologique de Spencer Garrison. Une femme dont le passé est assombri de condamnations pour vol à l'étalage, vol de voiture et vol à main armée. Aujourd'hui, après avoir effectué une peine de 2 ans de prison, Casey exige qu'on lui rende son enfant. Et nos experts en droit affirment qu'elle pourrait bien obtenir gain de cause. Mais voyons maintenant les détails de cette affaire avec David McIntyre. David? C'est pas juste. C'est pas aussi terrible que ce type le fait croire. Oh, arrêtez, vous avez jamais fait de bêtises dans votre vie, toutes les deux? Vous êtes pas des anges, vous non plus, sinon vous seriez pas ici. Casey, que s'est-il passé? Vous voulez que je vous parle de mon crime? Vous voulez vraiment tout savoir? Jamais je n'ai autant pleuré que le jour où j'ai su que j'allais avoir un enfant. Mon petit ami Jerry m'avait déjà plaqué 2 mois avant. Et j'étais retournée habiter avec mon ex-petit ami Gilles. Mais comment t'as pu te faire mettre enceinte par cette ordure? T'es encore plus bête que je croyais! Je t'ai dit que j'étais désolée. Tu ne me fais jamais le moindre compliment, tu ne me dis jamais que je suis quelqu'un de bien. Jerry me le disait. Ah ouais? Bien, retourne habiter avec lui! Vas-y, qu'est-ce que t'as d'enfonce? Ouais, le problème, c'est qu'il veut pas de toi, hein? Hein? C'est ça? Et qui c'est la bonne poire que tu viens retrouver? C'est moi! Hein? On n'est pas obligé de dire à cet enfant qu'il n'est pas je toi. Je n'aurai jamais à lui dire quoi que ce soit parce que le bébé de Jerry ne sera pas élevé ici. Tiens, tu vas m'en débarrasser. Non. Répète un peu. Non. Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais! C'est compris? Il disait que j'avais gâché sa vie. Bon Dieu, tu vois comment je deviens? Tu vois comment je deviens par ta faute? Il ne me restait plus qu'à me faire toute petite, en espérant qu'il changerait d'avis. Mais c'était raté. Ce n'est pas que je lui en voulais, mais je tenais vraiment à ce bébé. Je le voulais parce que c'était tout ce qui me donnait un peu d'espoir. Je n'avais pas l'intention d'y renoncer à cause de Gilles. Je crois que j'ai eu un instant de folie. Je lui ai volé sa voiture. Je ne savais pas où j'allais, ni ce que j'allais devenir. Je ne pensais qu'à une chose, partir, loin. Mais vous n'aviez aucune famille? Non, ma mère est morte quand j'étais toute jeune. Et mon père, il vit dans le Michigan, je crois. À 16 ans, j'avais arrêté les études. Je voulais trouver du travail, mais je n'avais aucune qualification. Personne ne voulait de moi. Et en quelques semaines, je me suis retrouvée sans le sou.
Il arrive qu'on fasse n'importe quoi par désespoir. Des choses qu'on regrette ensuite. Et dites donc, vous. Stop! N'avancez plus! Restez là! Reculez! Je ne savais plus ce que je faisais. J'avais perdu les pédales. Main en l'air! Main en l'air! Ne bougez pas! Personne ne bouge! Restez où vous êtes! J'étais encore plus terrifiée qu'eux. J'ai dû faire à peine 50 km avant qu'on m'arrête. Le juge était une femme. Elle a dit qu'il y a des choses qui ne se font pas quand on a un bébé dans le ventre. J'ai essayé de lui parler de Gilles et de mon ex-petite amie Jerry, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a dit que j'étais indigne d'être mère. J'ai été envoyée en prison. 2 ans. Pour elle, c'était le juste prix à payer. Quelqu'un qui se faisait tant de soucis pour mon enfant, ça n'avait pas l'air de beaucoup l'inquiéter qu'il naisse en prison. Et comment je l'aurais élevé là-dedans, hein? C'est déjà un enfer pour les adultes. Et de toute manière, ils n'ont pas voulu me le laisser. Le faire adopter était la meilleure chose à faire, d'après eux. Seulement, j'ai vu une avocate qui m'a dit que je ne saurais jamais ce qu'il allait devenir, qu'on ne me dirait jamais où il est. Ils m'ont fait signer un document. Jamais je n'ai autant regretté d'avoir obéi. Oh, mon chéri, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Quand ils me l'ont pris, ils n'avaient même pas de prénom. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sortie? Il n'y avait pas 36 solutions. Je suis retournée vivre avec Gilles. Vous êtes toujours avec lui? Vous auriez eu une meilleure idée. Et vous, c'est quoi votre histoire? Ah oui, d'accord. L'homme de votre vie ne veut pas de votre gosse. Vous ne savez rien de moi. Pourquoi? Je sais que vous me condamnez et ça me suffit. Je ne vous condamne pas du tout. Arrêtez toutes les deux, ça suffit. Ça suffit. Ce qui compte, c'est Spencer. Ce dont il faut s'occuper pour le moment, c'est de son avenir. Nous disputer ne nous mènera à rien. Il faut se serrer les coudes. Et surtout, ne plus dire un seul mot aux journalistes. Ah oui, et vous faites quoi comme boulot, vous? J'aurais pu faire un reportage sur Kelly il y a plusieurs heures, si j'avais voulu. Je suis ici parce que je me fais du souci pour Spencer. Et c'est ce qui nous rapproche. Diane, j'ai le numéro que tu voulais. Maître Shelleyton? C'est Diane Caulfield, navrée de vous avoir réveillée. Peu importe qui m'a donné votre numéro, écoutez, j'ai des informations qui peuvent vous intéresser. Il y a un café-restaurant juste après la dernière sortie d'autoroute avant le lac Tanner. Il est ouvert toute la nuit. Vous pouvez m'y retrouver? Mes informations vous concernent directement, je vous signale. On voit absolument rien dans ces montagnes avec le temps qu'il fait. On les a déjà survolées une dizaine de fois. L'ennui, c'est qu'il va faire de plus en plus froid. La météo a prévu que les températures allaient chuter de 10 degrés au cours de la nuit.
Faut essayer de profiter d'une accalmie. Je t'en prie, Billy, tu sais bien que c'est trop dangereux. Il a tout à fait raison. Ces bourrasques pourraient vous projeter contre le flanc de la montagne et vous ne le verriez pas venir. Ah, c'est pas moi qui le dis. Écoute, si tu nous poses dans la vallée, on pourra faire le chemin à pied. On sera avec lui cette nuit au moins, c'est mieux que rien. À vous de voir, Ricky. D'accord. On tente le coup. Vous êtes des as, les gars. Garrett, c'est Kelly. Tu es là? Quand tu auras ce message, je voudrais que tu viennes aussitôt. Je t'appelle Deco Summit Lodge. C'est un ancien refuge. Viens m'y rejoindre d'urgence. Je vais bien. Mais c'est important. Enfin, il faut que je te voie, c'est tout. Ça y est, les gars, on y est. Vous êtes prêts à y aller? Oui, sergent. Sauveteur en position. Treuil au quai. Sauveteur 1 en place. Sauveteur numéro 2 en position. Dropage annulé, j'ai un signal d'avarie sur le rotor. Le sauveteur 1 est déjà en bas. Sauveteur 2 toujours en position. Annulez l'opération, décrochez les filins. Filin décroché, go, go! Rancho, nous avons une avarie au moteur. Nous rentrons à la base. Ils n'ont qu'un sauveteur en position. Briggs, contactez la base de Travis, qu'il soit prêt à remettre cet hélicoptère en l'air. Sauveteur 1, vous m'entendez? Nous devons quitter le site. Sauveteur 1, répondez. Sauveteur 1, est-ce que vous me recevez à vous? Sauveteur 1, répondez à vous. Sauveteur 1. Evan? Evan, réponds. Evan? J'ai un signal d'émission. C'est très faible. Mais peut-être qu'il nous reçoit, même si nous, on ne l'entend pas. Sauveteur 1, si vous m'entendez, continuez vos recherches. Si vous retrouvez l'enfant, lancez une fusée éclairante. Vous m'entendez? Si vous le trouvez, qu'il est en vie, veuillez envoyer une deuxième fusée. Si vous m'entendez, mettez un signal radio. Maintenant. Evan, est-ce que vous m'entendez? Si l'enfant est en vie, lancez une deuxième fusée. Thank you.
Alors, vous tenez encore debout, vous? Oh, on a l'habitude. Vous avez l'heure. 3h30. L'hélicoptère est réparé. Ils ont repris les recherches. Bon sang, ça doit pourtant pas être si difficile. Ils connaissent leur boulot, ces sauveteurs. Oui, c'est leur travail. Il fait déjà pas chaud ici. Qu'est-ce que ça doit être dans la montagne? Mon fils va mourir de froid. Arrêtez d'en parler comme hey, de votre vous, je vous conseille toutes de les la deux, boucler. Arrêtez de je vous disputer. Que ça suffit pas comme digne ça. D'avoir un enfant. Oui, oui, j'arrive. Les voisins des Garrison nous ont donné ça. J'en ai fait faire une copie. Regarde-la tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Et maintenant, tu prends bien ta respiration. D'accord. Encore une? Oui! Alors, elle te plaît, cette fête? Oui, oui. Tu sais, on te réserve encore une belle surprise pour tes 8 ans. Encore une autre? Eh oui. Bon, toi, c'est le coin que tu préfères, non? Eh oui, le coin. Parce qu'il y a plus de crème. Gourmand, va. Tiens, tends-moi ton assiette. Voilà. Je suppose que tout le monde veut du gâteau. C'est bon? Délicieux! Je savais que tu l'aimerais. Parfait. Ça va pleurer dans les chaumières. Écoutez, vous entendez? Peut-être qu'ils l'ont enfin trouvé. Venez, on va aller voir. Rancho, ici Air Force Rescue 2-9, pour confirmation. Fusée visible au nord-nord-est de notre position. Qu'est-ce qui se passe? On vient de voir une fusée. Oh, vous avez entendu? Attention, on est à l'antenne dans 30 secondes. Ah, d'accord. On aurait dû voir la deuxième depuis le temps. Diane Caulfield en direct d'Echo Summit. Le sauvetage de Spencer Garrison progresse à grands pas. Une fusée vient en effet d'embraser le ciel, indiquant que Spencer a été localisé par l'un des sauveteurs. Malheureusement, on ne sait rien de son état de santé. Et chaque seconde qui passe voit l'espoir de tous ceux qui m'entourent s'amenuiser. Voilà l'autre! Voici ce que nous attendions, la deuxième fusée. Spencer Garrison est toujours en vie. Il est vivant! Rescue de neuf à Rancho. Je confirme, seconde fusée! Reste à franchir l'étape décisive, évacuer Spencer de l'avion. C'était Diane Caulfield pour American Report. Qu'est-ce que vous venez d'apprendre que Spencer est en vie? Que ressentez-vous? Mademoiselle Hopper? Des commentaires sur ce qui a été dit sur vous? Je ne suis pas parfaite. Allez-vous parler de votre passé à votre enfant? Oh, laissez-moi tranquille! Casey! Casey, s'il vous plaît! Kelly, tout va bien? Oui, oui, ça va. Rentrons à l'intérieur. Mmh.
se passe? Kelly, Kelly, je peux savoir ce que tu fais ici? Oh, il y a un certain nombre de choses que tu ne sais pas sur moi. Comment t'annoncer ça? Ce petit garçon, tu sais, celui qui était dans l'avion qui s'est écrasé. Je crois que c'est mon fils. Ton fils? J'ai eu tort, je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais j'avais peur de tout détruire entre nous. J'ai fait adopter un enfant que j'ai eu il y a 8 ans. Si je suis bien la mère de ce garçon, je ferai tout pour qu'on me le reprenne pas. Kelly, enfin, on doit se marier dans 15 jours et c'est seulement... Je t'en prie, essaie de comprendre, Garrett. Je ne voulais pas te l'annoncer comme ça, mais au moins maintenant, tu sais tout de moi. Joli portrait que vous avez fait de Cassie Hopper. 38 chaînes régionales ont relayé l'information. Que dites-vous de ça? Je dis que vous êtes fier de vous. J'ai vu votre reportage sur la maison de retraite. Vous ne les avez pas ratés. C'était justifié. Mais Cassie n'a rien de la femme que vous avez dépeinte. Ben, je m'en suis tenu au fait, comme vous. Que voulez-vous de plus? Eh bien, un peu de discrétion et de considération pour ce qu'elle est en train de vivre. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Hé hey. Je crois que Caulfield a encore un bon scoop en réserve. T'as du nouveau sur les deux autres mères? Non, rien pour l'instant. J'ai un ami qui est en train de visiter le cabinet d'Hilton, mais ses dossiers sont dans un coffre-fort. Dis-lui de jeter un coup d'œil aux ordinateurs. Oh. 4 heures. C'est plus de mon âge, ce travail. Toujours rien en vue, Rancho. On est toujours en pleine purée de poids, même si le vent est tombé. Altitude 50 mètres environ. Essayez de survoler le pic Robinson. Vous devriez apercevoir l'escarpement à votre droite. À vous. Vous voyez quelque chose? À vous. C'est négatif. Non, on ne voit toujours rien, Rancho. Les fusées ne venaient pas de si haut. Il faut descendre encore un peu. Ok, bien reçu. Allez, Spencer, courage. Ma mère et mon père, ils ont rien. On s'occupera d'eux après, d'accord? On est prêts, Rescue 2-9 à vous. Rescue, répondez. Sans radio, on ne les sortira jamais de cette passe. On n'a strictement aucune idée de l'endroit où ils sont. Ça va, le petit? Gilles. Hey, garçon, deux bières, s'il vous plaît. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais pas de nouvelles, je me faisais du moron. Quand j'ai vu ce qu'il racontait sur toi à la télé, je me suis dit que tu pouvais avoir besoin de moi. Je vais te croire. Cassie, regarde-moi. Cassie. Je suis là, non? J'ai roulé pendant 2 heures pour te rejoindre.
Écoute, je sais bien qu'on a eu nos petits problèmes, mais... La vérité, c'est que j'aime pas quand t'es pas là. Non, c'est vrai, je deviens fou sans toi. Tu diras pas ça si on apprend que ce petit garçon est bien de moi. Non, écoute, Cassie... Je sais que t'en veux pas. Justement... En fait, tu vois, j'ai bien réfléchi et... Et en fin de compte... Peut-être bien que j'avais tort à l'époque, c'est vrai. Peut-être que ça serait bien qu'on ait un gosse. Non, en fait, je suis sûr que ça serait bien. Gilles. Ouais, dès qu'on le ramènera à la maison, je lui ferai voir mon atelier, tu vois. Et il saura tout sur la mécanique, tout sur les bagnoles. C'est pas une bonne idée, ça, hein? Et j'en ferai un champion de rallye. Tu sais qu'on peut se faire un tas de fric grâce à lui. Quoi? Dis, t'as donné d'autres interviews depuis tout à l'heure? Non. Dorénavant, tu me laisses gérer. Gilles, je veux pas qu'on essaie de vendre notre histoire aux journalistes. Je veux seulement que le petit soit heureux. Mais moi aussi, je veux qu'il soit heureux. Il aura plus de chances de l'être si on pouvait lui offrir presque tout ce qu'il veut. Gilles, élever un enfant, c'est pas juste une question de pouvoir lui offrir tout ce qu'il veut. Je t'assure. Vous savez, c'est énorme ce que vous attendez de votre fiancé. Et il lui faut du temps. J'espérais plus de sa part, je crois. Plus de compréhension. Il n'a rien demandé de ce qui lui arrive. Tout comme nous, d'ailleurs. Ouais, ça, vous pouvez le dire. Et vous, pourquoi vous avez donné votre enfant? J'avais une réponse à cette question. Jusqu'à ce que je vois Spencer sur l'écran tout à l'heure. Pour la première fois, j'ai vu mon fils comme une personne à part entière. Un être vivant débordant d'énergie. J'en avais une image plutôt abstraite auparavant. Pourquoi vous ne l'avez pas gardée? Il est né juste à l'époque de mes débuts en tant que correspondante d'une chaîne nationale. On m'avait confié la guerre au Moyen-Orient. Ce n'est pas là que je m'attendais à avoir un coup de foudre. Je travaillais à un article de fond sur les militaires qui se préparaient à partir pour le Golfe Persique. Le major Johnson, Eric, était mon interlocuteur officiel. J'avais beaucoup d'idées préconçues sur lui. Je m'attendais à quelqu'un de très froid, de très martial. Mais dès notre premier contact, j'ai senti une sorte de complicité entre nous. Il m'a provoqué gentiment, il m'a fait rire, et j'ai tout de suite été sous le charme. Nous passions des heures à bavarder, à nous promener. Il me faisait tout oublier. Plus rien n'avait d'importance quand j'étais avec lui. Je donnerais cher pour pouvoir retourner en arrière, pour remonter jusqu'à ce jour et arrêter le temps. Je n'ai jamais été si amoureuse. Il m'a demandé de l'épouser. J'aurais voulu qu'on se marie le lendemain. Mais la chaîne m'a rappelé, on m'envoyait à Bagdad. Eric se trouvait déjà dans le Golfe. Et j'avais hâte de partir. La veille de mon départ, on m'a annoncé la nouvelle. Eric était mort tué au cours d'un tir de scud sur la base. Deux mois après, j'ai su que j'étais enceinte. J'avais l'intention de garder notre enfant au départ, mais plus j'y pensais et plus je... Je me rendais compte que je n'y arriverais pas, que je me mentais. Je n'aurais jamais le cœur de l'élever seule, sans Eric. Et puis, le souvenir de mon propre père jouant avec moi dans le jardin de notre immeuble à Atlanta n'arrêtait pas de me revenir à l'esprit. Il avait été si important pour moi dans la vie que
Je n'imaginais pas que mon enfant puisse grandir sans être épaulé par quelqu'un comme lui. Je voulais que mon fils ait un père, voilà tout. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai disparu quelque temps jusqu'à ce que je le mette au monde. Sheila Hilton a organisé l'adoption. Je n'aurais pas supporté de connaître ses nouveaux parents. Et il ne fallait surtout pas que ça s'ébruite parce que les gens de la presse à scandale m'auraient démoli. Et vous ne l'avez jamais dit à personne? Jusqu'ici, non. Tout au long de ces 8 années, je n'ai cessé de penser à ce que ma vie aurait pu être si j'avais moi-même élevé cet enfant. J'ai tout fait pour l'oublier. Et maintenant que j'ai une chance de le retrouver, de le reprendre, je me rends compte que c'était illusoire. Et voilà, monsieur. Merci. Comment on peut boire une bière à cette heure-ci? Facile. Oh, regarde. Alors, monsieur Aldriss, vous allez faire un reportage sur l'autre femme aussi? Quelle autre femme? La jeune femme qui est arrivée hier soir. Je l'ai entendue dire qu'elle pensait être la vraie mère, elle aussi. Quoi? Où est-elle? Ici? Oui, attendez. Tenez, c'est celle qui est avec Diane Caulfield. On va boire un café? Vous avez du travail? Non, pas pour l'instant. Tant qu'ils n'ont pas ramené Spencer. Oh, la vache, elle lui a déjà mis le grappin dessus. On a vraiment l'air d'une bande d'amateurs à côté d'elle. On a intérêt à trouver la troisième mère et vite. Je suis sur le coup. On voit toujours rien, Rancho. On est sûrement trop haut. Ok, je descends. Rancho, ici 2-9. Descendons à altitude 3-0. Sauveteur 2, toujours rien? Toujours rien, monsieur. Demi-tour à gauche. Scrutez bien ces arbres à 9h. À vos ordres. Stationnaire. 40 degrés à gauche. Immobilisation. Encore 10 degrés. Là, ça y est, regardez. Oui, on a localisé l'épave, je l'ai en visuel. Ils l'ont retrouvé. Bien reçu. Évacuez-les. Merci, Todd. Ça y est, ils ont trouvé l'enfant. C'est merveilleux, non? Ouais, ouais. Si je t'en avais parlé quand on a commencé à se voir, ça aurait changé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me faire dire, Kelly? Que tu as eu raison de me le cacher? Quand on a commencé à sortir ensemble, je ne t'ai rien dit parce que... j'avais du mal à en parler. Je n'avais pas assez de distance par rapport à ça. Et quand c'est devenu sérieux entre nous, j'essayais toujours de trouver des excuses pour ne rien dire. Mais alors quand est-ce que tu me l'aurais appris, une fois qu'on aurait été mariés? C'est la chose la plus importante qui te soit arrivée et tu ne m'en as jamais parlé. Enfin, je suis quoi pour toi, Kelly? Je suis vraiment désolée, Garrett.
Je veux que tu saches qui je suis réellement. Je suis navrée que tu l'as appris de cette manière, mais... Mais je t'aime. Et je ne veux pas risquer de te perdre. Je me rends bien compte que j'ai eu tort et que cette histoire pourrait tout gâcher. Mais je n'avais pas conscience de ce qu'un enfant pouvait représenter. Je me suis interdit d'y penser pendant toutes ces années. Mais je n'ai pas réussi à l'oublier. Je ne veux pas te mettre au pied du mur, j'espère seulement que tu y réfléchiras. Si cet enfant est bien de moi, il fait partie de moi. Et si tu m'aimes, eh bien peut-être que tu l'aimeras lui aussi. Gareth. Mais... Je suis désolé, Kelly. Il faut que je réfléchisse. Le jour va bientôt se lever. La nuit a été longue. Oui. Dites-moi, Diane, vous croyez que je ferai une bonne mère, hein? Enfin, je sais bien que j'ai fait des choses idiotes dans ma vie, mais... Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être une bonne mère. Je crois que n'importe quelle femme peut être une bonne mère. Tout dépend dans quelle mesure elle est prête à se sacrifier pour son enfant. Moi, je commencerai par reprendre des cours et je passerai mon bac. Enfin, il faut que je puisse l'aider à faire ses devoirs à la maison. Oui, je crois que ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Oh, hein, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi. Je croyais que c'était moi qui devais gérer ça. Oh, je t'en prie, Gilles. Vous le connaissez? Je suis le beau-père de Spencer. On ne parlera de notre histoire ni à vous, ni à personne, tant qu'on n'aura pas signé un contrat. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Combien on peut lui prendre, à ton avis? Dans les quoi? 100, 200 000? Ça va comme ça. Un reportage pareil sur une chaîne nationale. Arrête, venez avec moi. Qu'est-ce que je viens de vous dire? À partir de maintenant, si vous voulez négocier, c'est moi qu'il faut voir piger. Elle est pas dans le coup. Parle-lui sur un autre ton, s'il te plaît. Vous voulez que je vous dise? Vous nous le devez déjà, ce pognon. C'est faux, je ne vous dois rien. Mais vous rigolez ou quoi? Elle vous a déjà tout raconté. Allez, viens. Tu vas me lâcher 5 minutes, ouais. Ne la touchez pas. Ça suffit, allez-vous-en. Pourquoi il faut toujours que tu gâches toutes mes chances, hein? Qu'est-ce que tu racontes, là? La vérité. Chaque fois que je veux faire quelque chose pour moi, chaque fois que je veux me réaliser, tu m'en empêches. J'en ai plus qu'assez, Gilles. Cette fois, je n'ai plus rien à te donner. Je ne veux plus vivre avec toi. Ouais, dans 3 jours, tu reviendras pleurer. Ça ne risque pas. Regarde-moi! Je n'aurai pas longtemps à chercher pour trouver quelqu'un qui aura plus de respect pour moi que tu n'en as eu. Et crois-moi, ce que je dis, je le pense. Vous n'êtes pas des cadeaux, toutes les trois. Il vous a fait mal? Vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. Je vais voir si... Oui, allez-y. Diane, t'avais pas rendez-vous avec Hilton? Oh, j'en ai pour une demi-heure, d'accord? Ok. La civière. Ça va, le vent est tombé. Ça y est, je le vois. Allez-y doucement, les gars. Le petit est à bord. Son cœur bat au ralenti. Hypothermie relativement avancée. Trouvez-moi des couvertures, tout ce qui peut tenir chaud, et forme une escorte pour l'accompagner à l'hôpital. Au trot ! Cassie Hopper a été condamnée pour délit multiple. Qui aurait voulu adopter son fils, sachant qu'elle pouvait débarquer n'importe quand ?
Le seul fait qu'elle ait été mal informée à l'époque annulerait la procédure, n'est-ce pas? Elle n'a pas été mal informée. Vous avez trompé Casey pour l'amener à signer ses documents, maître. Qui voudrait faire appel à votre cabinet d'avocat, sachant qu'il y a des failles dans vos contrats d'adoption? Vous lui avez menti en lui disant qu'une adoption plénière était son unique moyen de se défaire de son fils. Je vous avertis. Si vous divulguez ces âneries, je ferai en sorte que votre avocat ne puisse même pas vous défendre. Écoutez-moi, vous allez me dire qui est la vraie mère de Spencer Garrison, ou je ferai toute une série de reportages sur l'adoption du fils de Casey Hopper. Vous, écoutez-moi. Je crierai sur tous les toits ce que vous êtes vraiment. Une femme rongée par le remords à cause d'un enfant non désiré. Vous voyez ça? Criez-le sur les toits. Ça ne me fait plus peur. Dites-moi qui est sa mère naturelle. Casey, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Spencer Garrison est votre enfant. Nous serons à Echo Summit dans environ 4 minutes à vous. Bien reçu, de neuf. Tout est prêt pour vous accueillir. Mademoiselle Thomas, je me présente. Paul Aldriss, de la chaîne Info 10. J'aimerais vous poser quelques questions sur la place que tient Spencer Garrison Paul, dans votre vie. Paul, il faut que je vous demande quelque chose, s'il vous plaît. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ne faites pas de reportage sur Kelly. Oh, alors voyons à d'autres. Je vous ai vu discuter avec elle tout à l'heure. Vous avez certainement déjà fait un reportage sur elle. Non, tout a été dit sous le sceau de la confidence. Je n'ai pas l'intention de m'en servir. Eh bien, vous avez laissé passer une excellente opportunité. Excusez-moi, j'ai du travail. Vous voulez faire un reportage? Alors, suivez-moi. Vous voulez savoir qui est la troisième mère? Eh bien, c'est moi. Quoi? Oui. Alors, allez dire au monde entier que j'ai abandonné mon bébé. Diane, vous avez eu un enfant? À l'époque où je couvrais la guerre au Moyen-Orient, je suis tombée amoureuse d'un officier de l'armée de l'air. Peu de temps après, il a été tué. Vous êtes content? Maintenant, vous l'avez, votre scoop. Diane? Écoutez, je sais ce que vous pensez de moi. Mais je ne ferai jamais rien qui puisse vous nuire. J'ai énormément de respect pour vous. J'envie votre talent. Oh. Oui, comme tous les autres journalistes qui sont là. Sincèrement. Très bien. Je renonce à ce reportage. Merci. Je vous voudrais ça. Je n'aurais jamais cru... qu'il vous arrivait de pleurer. Oh, oui, je sais. Ce n'est pas très professionnel. Et maintenant, tu prends bien ta respiration. D'accord. Encore une? Oui! Alors, elle te plaît, cette ferme? Ah oui. Tu sais, on te réserve encore une belle surprise pour tes 8 ans. Encore une autre? Eh oui.
Bon, toi, c'est le coin que tu préfères, non? Oui, le coin. Parce qu'il y a plus de crème. Gourmand, va. C'est bon? Délicieux. Je savais que tu l'aimerais. Qui n'en veut pas de ce gâteau? Qu'est-ce que tu fais? Spencer, qu'est-ce que tu as dans la bouche? Oh, farceur. Attends, je sers tout le monde. Tu vas reprendre un petit morceau de gâteau? Non. Attends, je vais couper quelques parts d'avance. J'aime pas finalement. Oh, tu as vu, tu es filmée. Ça te fera un souvenir. Je peux retourner jouer? Si tu veux. Mais on va bientôt partir. Tu sais, pour ta surprise. On peut pas y aller tout de suite. Comme tu veux. Il n'y aura pas de reportage. Faites-moi confiance. Merci, Diane. Mais vous, ça va? Oui, ça va, merci. Kelly, je regrette, mais il faut que je vous dise une chose. Ils arrivent avec Spencer. Bon, ambulancier, j'ai fait dégager la route qui mène à l'hôpital. Les chauffeurs des véhicules d'escorte sont de bons pilotes. Alors vous pouvez appuyer sur le champignon. Entendu, shérif. J'avais peur que tu ne reviennes pas. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Kelly. Dorénavant, je veux que tu me fasses confiance. Je ne serai peut-être pas toujours d'accord avec tout ce que tu diras, ni tout ce que tu feras, mais je veux faire partie de ta vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur surtout. Voilà l'hélicoptère. Oui, allons-y. Dépêchez-vous!
Kelly? Diane a vu Shelley Hilton. Elle s'est réfugiée derrière le secret professionnel. Mais ça n'a pas d'importance. Diane et moi ne sommes pas très sûrs, pour l'instant, d'avoir vraiment la fibre maternelle. Alors, on se disait que vous pourriez peut-être l'adopter, vous? Oui. C'est une merveilleuse idée. Mais vous croyez que... Vous croyez que je peux? Il y a des centaines d'enfants de l'âge de Spencer qui attendent une adoption dans le monde. Je crois que Garrett et vous avez de bonnes chances. Et je pourrais peut-être vous donner un petit coup de pouce. Vous ferez une très bonne mère, Kelly. Merci. Et prenez soin de lui. Il a besoin de vous.